à la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge nationale française, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au grade d'apprenti cette respectable loge de Saint-Jean. Nous sommes dans un temple maçonnique de la région parisienne. Ce type de cérémonie secrète a lieu deux fois par mois. Il n'y a que des francs-maçons dans cette pièce. On les appelle aussi des initiés. À titre exceptionnel, nous avons pu les filmer. Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue, un tablier, symbole du travail, des gants blancs, synonyme de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. Pour les frères, la franc-maçonnerie est avant tout une initiation spirituelle et symbolique, un parcours initiatique censé développer la sagesse personnelle tout en faisant progresser les grandes idées humanistes. La Grande Loge nationale française est l'une des principales obédiences maçonniques. Ses membres croient en Dieu et commencent toujours leurs travaux après avoir ouvert la Bible. Les francs-maçons consacrent leurs réunions à débattre de toutes sortes de questions de société. À moi, mes frères, par le signe de la batterie, l'acclamation écossaise. Ousez, ousez, ousez. Prenez place, mes frères. Leurs idées, les francs-maçons les poussent depuis toujours dans les cercles de pouvoir. Un travail d'influence au plus haut niveau de l'État. Nous sommes à l'aéroport de Pau. Un petit groupe d'hommes attend. Tous ont un point commun, ce sont des francs-maçons. Ils sont venus accueillir un hôte de marque. On va aller l'accueillir. Allez. L'hôte de marque en question est Pierre Lambicki. Médecin, cardiologue de profession, cet homme au look passe-partout est le personnage le plus important de la franc-maçonnerie en France. Pierre Lambicki est le grand maître de la principale obédience du pays, le Grand Orient de France. Le Grand Orient est laïque, plutôt classé à gauche, et compte près de 50 000 adhérents. Pierre Lambicki consacre tous ses week-ends à promouvoir les valeurs de son obédience auprès des responsables politiques locaux. Ce n'est pas les berlines de la République. Hein. Vous avez remarqué ? Ce jour-là, Pierre Lambicki et son équipe doivent être reçus par le maire de la ville. Nous sommes quelques jours après l'abandon d'un fichier policier très controversé, le fichier Edwige. Ce projet, les francs-maçons l'ont combattu. Ils considèrent le retrait du fichier comme leur victoire. Tu as vu que dans le bulletin officiel de hier ou de ce matin, dans le journal officiel, le fichier Edwige a été retiré. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Ce qui prouve... Le fichier Edwige, c'était ce fameux projet de fichage des citoyens susceptibles de nuire aux libertés publiques. Le Grand Orient a été en pointe pour dénoncer ce texte élaboré par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est vraiment atteint l'objectif que tu avais bien défini avec les arguments nécessaires. Là, c'est un sujet de satisfaction. Ah ouais. Enfin. C'est une grosse machine, le Grand Orient de France ? Ben, si vous prenez les 50 000 maçons du Grand Orient de France, plus toutes les autres obédiences, on arrive facilement à 140 000 personnes. Donc ça compte. Et des gens qui sont des têtes de relais dans la société. Donc ça commence à faire... pas une force, mais une composante avec laquelle il faut discuter quand même. Avant de se rendre à la mairie, rapide passage à l'hôtel pour déposer les bagages. Ah ben parfait. Il y a un lit. Plein d'attention, ça, les frères de la ville ont prévu un petit cadeau pour leur grand-mère. Voilà. Vous voyez ? Je suis nourri, abreuvé, à la fois... de la nourriture spirituelle et de la nourriture terrestre. Et j'ai la fraternité. C'est pas beau ?
Direction la mairie pour la visite officielle. Face à la première dame de la ville, Pierre Lambicki va évoquer les derniers combats de son obédience. Le grand maître est très fier de revenir sur la suppression du fichier Edwige et sur sa rencontre pour l'occasion avec le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie. Moi, je suis assez satisfait parce que, vous savez, deux jours après mon élection, j'avais parlé d'Edwige sur les ondes et Mme Alliot-Marie m'a téléphoné pour me dire pourquoi j'étais inquiet. Donc, j'ai un peu atterri parce que, comme vous, tout l'été, on avait signé des pétitions, mais à première vue, ça n'intéressait personne. Durant une vingtaine de minutes, le maire et la délégation du Grand Orient auront évoqué différents thèmes touchant aux grandes questions de société. C'est un courant de pensée philosophique qui compte dans le débat public, et notamment dans les débats de société, comme vous avez pu le constater à travers l'échange que nous venons d'avoir. Et donc c'est à ce titre-là que je les reçois et que je les reconnais. Vous pensez que la franc-maçonnerie, d'une façon générale, peut avoir une influence sur une élection municipale? Ça peut jouer? Ça peut influencer certains cercles, ça peut encore, oui. Non, c'est toujours intéressant de rencontrer des élus de la République parce qu'il va rester toujours quelque chose de ces entrevues, vous savez. C'est-à-dire? Elle va se rappeler. Vous savez, c'est plus simple de communiquer directement par la voix et par la présence que d'envoyer un texte qui est abstrait. Hein, là, elle a vu, et là, il se tisse. Vous savez, je le redis souvent, la maçonnerie, c'est une question d'humain. Et là, il se tisse des liens. C'est la troisième fois qu'elle reçoit le Grand Orient de France. Donc, ça veut dire qu'il s'est tissé quelque chose. C'est une initiée? Non, pas du tout. Puis même si ça l'était, on ne vous le dirait pas. Mais la journée n'est pas terminée. Les francs-maçons du département ont organisé une conférence de presse. Dans la salle, deux journalistes des quotidiens locaux. Est-ce que vous avez le sentiment d'être aussi influent que vous l'avez été? Quel est votre poids aujourd'hui dans notre société? Si je vous réponds nul, vous allez me dire il se moque de... Il ne me croit pas. Et si je vous réponds important, vous allez dire il se flatte. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je dis simplement qu'on est fait un certain... On a un message qui est pur au Grand Orient de France, qui n'est pas altéré dans notre communication. Et on prend un certain nombre de positions. Je crois qu'on a une petite influence. Disons qu'on est un peu écouté. Voilà. Merci. Vos questions? Très bien. Je vous remercie en tout cas. C'est à vous. Les francs-maçons ont du pouvoir dans la vie locale? Alors, dans l'inconscient collectif, je dirais que c'est perçu comme le poids des réseaux. Le poids des réseaux. Même entre gens qui, parfois, sur le plan politique, ont des options différentes, c'est perçu comme, un lien. Et ça peut être perçu aussi comme un instrument de pouvoir. C'est très clair. Le lendemain, une page entière du journal Sud-Ouest sera consacrée au passage à Pau du grand maître du Grand Orient. Après les relations publiques, retour au sacré. Le petit groupe du Grand Orient se rend au temple de Pau pour une grande cérémonie maçonnique. À l'étage, dans une arrière-salle du bâtiment, on se prépare pour la cérémonie. À l'entrée du temple, on met une touche au dernier préparatif. C'est le grand silence. On attend religieusement l'arrivée du grand maître. La cérémonie en question s'appelle une tenue. Le rituel est toujours le même. Le grand maître entre, encadré par ses officiers. Le cortège passe sous une voûte formée par les épées des chevaliers. Dans l'assemblée, des représentants de toutes les professions, du médecin à l'artisan, en passant par le policier. Bienvenue mes frères, mes sœurs et mes frères, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue aux conseillers de l'ordre, au premier grand maître adjoint et au grand maître du Grand Orient de France par une triple et chaleureuse patrie. Liberté.
Égalité. Fraternité. La loge Réveil du Béarn n'est pas mixte, comme toutes les loges du Grand Orient. Mais ce jour-là, quelques femmes d'une autre obédience sont présentes exceptionnellement à cette cérémonie. Pour nous, le tournage devra s'arrêter là. Le Grand Orient a son siège rue Cadet à Paris. Ici, pas besoin de croire en Dieu pour être initié. Voici l'un des principaux temples, le temple Lafayette. Au mur, la grande fierté des francs-maçons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le Grand Orient s'estime l'inspirateur. Parmi les initiés célèbres, Voltaire et Victor Schœlcher, le père de l'abolition de l'esclavage. Ce triangle incrusté d'un œil s'appelle le delta lumineux. C'est le symbole de la conscience. Sous ce squelette, représentant la mort symbolique de l'homme non initié, les futurs francs-maçons font leur testament philosophique. Nous arrivons ici dans le temple Arthur Groussier. Alors, le temple Arthur Groussier, c'est le grand temple du Grand Orient. C'est donc un lieu de mémoire pour la franc-maçonnerie du Grand Orient, mais c'est aussi un lieu de mémoire pour la France, parce qu'il s'est pris ici des tas de décisions. Il y a eu des débats qui ont influencé sur notre quotidien aujourd'hui. C'est ici, dans ce grand temple, où trône une Marianne encadrée d'emblèmes maçonniques, que le grand maître reçoit régulièrement des responsables politiques de haut niveau. Le grand maître du Grand Orient de France, suivi d'une délégation du Conseil de l'Ordre, Monsieur Pierre Joxe, ancien ministre. Ce jour-là, Pierre Lambiki accueille Pierre Joxe, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Autre invité, Elisabeth Guigou. Ces invités de marque sont venus débattre autour de la laïcité, l'un des thèmes le plus souvent évoqués par les frères du Grand Orient de France. À la chrétienté. J'aime bien l'ouverture d'esprit des francs-maçons, en particulier de cette obédience, parce qu'ils invitent des profanes, assez souvent. Et donc moi, je suis venue quelques fois pour parler de grands sujets de société. Je trouve que c'est agréable, ce sont des gens qui réfléchissent. Les francs-maçons étaient en France, depuis le XVIIIe siècle, les premiers champions de la laïcité. Donc le Grand Orient de France commémore, étudie la laïcité, c'est très habituel. Le thème de la laïcité a en effet toujours été l'un des chevaux de bataille du Grand Orient. Plutôt classé à gauche, cette obédience a souvent pris des positions critiques vis-à-vis des religions et de l'Église catholique en particulier. Et si les francs-maçons se sont réunis en haut lieu avec des représentants politiques, c'est parce qu'ils sont en alerte depuis le 20 décembre 2007. Ce jour-là, dans le palais du Latran au Vatican, Nicolas Sarkozy tient devant le pape et ses cardinaux un discours sur la laïcité positive. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Pour les francs-maçons du Grand Orient, Nicolas Sarkozy fait un peu trop la part belle aux religions. Très vite, les frères décident de monter au créneau. Le grand maître du moment s'appelle Jean-Michel Quillardet. Les réseaux maçonniques se mettent en marche. Quand j'ai eu connaissance de ce discours de Latran, j'ai dit qu'il faut absolument réagir. Et puis j'ai dit qu'il faut qu'on rencontre le président de la République, qu'il faut qu'on marque solennellement notre opposition. Donc vous savez, c'est assez simple ce qui se passe partout dans la République. Il se trouve qu'il y a un ancien grand maître qui est un proche du président de la République. Voilà. L'ancien grand maître en question, c'est Alain Boer. De 2002 à 2005, il a dirigé le Grand Orient de France. Alain Boer est aussi consultant en criminologie. Régulièrement, il conseille l'Élysée en matière de sécurité. L'homme est très fier d'afficher ses relations privilégiées avec le président de la République, dont il collectionne les courriers. Lorsque Jean-Michel Quillardet, qui à l'époque était grand maître du Grand Orient de France, m'a fait part de son émotion suite au discours de Latran, il m'a demandé à pouvoir l'exprimer directement auprès du président de la République. J'ai donc appelé le président de la République pour lui faire part de cette émotion et du fait qu'il serait nécessaire
de rencontrer le grand maître de l'époque. On est resté avec le président à peu près une heure et demie, discussion très franche, oui, presque amicale. Enfin, vraiment, le président de la République a tenté de nous expliquer qu'on n'avait pas très bien compris son discours. Quelques semaines plus tard, Nicolas Sarkozy tient un nouveau discours sur la laïcité dans le cadre d'un voyage à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette fois, il fait allusion à la confrérie des francs-maçons. J'ai le devoir de faire en sorte que chacun, qu'il soit juif, catholique, protestant, musulman, athée, franc-maçon, rationaliste, se sente heureux de vivre en France, se sente libre. Apparemment, l'intervention des frères a été efficace. Le président ne les a pas oubliés dans son discours. Très attachés à la défense des grandes idées républicaines, les francs-maçons savent qu'ils doivent être présents sur tous les fronts de la démocratie. C'est avant tout à travers l'élaboration des lois à l'Assemblée nationale qu'ils cherchent à avoir une influence. Une nouvelle loi sur la bioéthique devrait voir le jour en 2010. Elle permettra de définir un nouveau cadre juridique en matière notamment de clonage, de manipulation génétique et d'éthique médicale. C'est le député UMP des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, qui est chargé par le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, de préparer la révision de cette loi. Le député Jean Leonetti n'est pas franc-maçon, mais une semaine après sa nomination, il se rend en personne au siège de la Grande Loge de France, l'une des cinq principales obédiences maçonniques. Jean Leonetti a rendez-vous avec Alain Grezel, le grand maître, et le docteur Gilbert Schulzinger, un frère de l'obédience. Les trois hommes évoquent le futur texte sur la bioéthique. Les francs-maçons prônent une évolution de la loi pour accompagner les progrès scientifiques. Le docteur Schulzinger propose aux députés un texte que la Grande Loge de France souhaiterait voir apparaître dans la future loi, élaborée par Jean Leonetti. J'avais défini, à mon sens, ce que devait être une loi de bioéthique, et je l'ai noté. Il faut faire des lois suffisamment restrictives pour éviter les abus et les trafics, suffisamment larges pour respecter la liberté de l'individu, celle du chercheur et celle du médecin. À la Grande Loge de France, on a l'habitude de ce genre de rencontres feutrées pour faire passer les grandes idées de l'obédience. Il y a une osmose incontestable entre la maçonnerie et les autorités de l'État. Mais nous n'avons pas à l'afficher en permanence, nous le faisons aujourd'hui car nous en parlons librement. La maçonnerie et la République ont été toujours associées dans leur progression mutuelle vers plus et mieux pour les citoyens et les maçons. Et nous considérons qu'il est essentiel, en effet, que nous ne soyons plus considérés comme cette force occulte que nous n'avons en réalité jamais été. Quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, nous retrouvons le député Jean Leonetti aux côtés du socialiste Alain Claës, lui aussi chargé de préparer la révision de la loi bioéthique. Les deux députés auditionnent un rabbin et un représentant de l'Église catholique. Contrairement aux francs-maçons, les catholiques souhaitent un statu quo de la loi. Après la réunion, Jean Leonetti évoque pour son collègue les échanges qu'il a eus avec les francs-maçons. On ne peut pas faire des auditions sur une conception qui est basée sur les droits de l'homme sans puiser dans les grands courants de pensée qui traversent le pays. Mmh. Et dans ces courants de pensée, il y a bien sûr les religions monothéistes, on va écouter l'islam, le judaïsme, les chrétiens, mais il y a aussi la pensée maçonnique. Alain Claës prend connaissance des souhaits des francs-maçons transmis au député Leonetti. Suffisamment restrictive pour éviter les abus et les trafics. Moi, quand je relis les principes de la Grande Loge de France et que je regarde de près, je crois qu'on peut se retrouver sur un certain nombre de points. Quand je relis ces principes, très sincèrement, ça correspond à la conception que j'ai aujourd'hui d'une loi bioéthique, c'est-à-dire une loi des droits de l'homme. En 2010, la loi bioéthique rejoindra peut-être la liste des textes influencés par les francs-maçons. Dans le passé, les Fils de Lumière ont déjà été à l'origine de lois comme l'abolition de la peine de mort
ou la loi Veil sur l'avortement. Si les francs-maçons parviennent aujourd'hui à faire passer leurs idées à travers les lois, c'est grâce à un homme clé, Henri Caillavet, 92 ans, ancien ministre, ancien sénateur radical de gauche et membre éminent du Grand Orient de France. En 1948, Paul Ramadier, le président du Conseil, lui aussi franc-maçon, le convoque. Il me demande de faire en sorte que nous puissions regrouper l'ensemble des parlementaires francs-maçons. Je m'exécute, d'autant que je lui porte une grande estime. Et le but que Paul Ramadier poursuit, et qui est le mien, c'est de rassembler l'ensemble des francs-maçons, quel que soit leur parti politique, et faire en sorte que les règles qui sont les nôtres puissent être restaurées, revalorisées et affirmées. Ce groupe de députés francs-maçons de toutes les couleurs politiques s'appelle une fraternelle. Elle regroupe plus de 100 députés et sénateurs. La fraternelle parlementaire est en quelque sorte le levier qui va permettre la discussion d'un certain nombre de lois. Ce soir-là, Henri Caillavet quitte Paris pour se rendre dans les Yvelines. Il est invité par une loge du Grand Orient de France. Nous sommes conviés avec lui à une tenue blanche ouverte, c'est-à-dire une réunion maçonnique à laquelle peuvent assister des profanes. Dans la salle, une centaine de participants, essentiellement francs-maçons. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi? Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen, et également au Sénat. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports, et la discussion. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le débat, à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents, qui sont quelquefois harassants, que l'on parvient parfois à faire progresser la société. À l'issue de la conférence, un frère de la loge est accompagné selon les rites maçonniques auprès d'Henri Caillavet. Il doit se voir remettre une récompense liée à sa progression dans la hiérarchie maçonnique. Alors, mon cher Lucien, je te remets ce diplôme de maître. Il consacre ton talent, tes efforts. Tu progresseras, comme te l'a dit le grand maître, dans la hiérarchie, le gradué. Efforce-toi d'être toujours fidèle à tes engagements. Un jour, on t'a dit, tu ne mettras jamais plus genou à terre. Tu n'as plus mis jamais le genou à terre. Je te fais confiance pour défendre notre idéal. Je t'embrasse. Le petit discours est suivi de trois bises, une tradition chez les francs-maçons. Avant de quitter la salle, chaque participant apporte son obole. La somme sera versée dans la cagnotte de la loge. En franc-maçonnerie, la cotisation varie entre 250 et 400 euros par an et par adhérent en fonction des obédiences. Ensuite, les participants se retrouvent dans une arrière-salle du temple pour les agapes. Comprenez par là un grand buffet. Je vois très bien ça en ouverture sur Canal+. Qu'est-ce qu'ils font les francs-maçons? Ils boivent. Henri Caillavet en profite pour signer un ouvrage qu'il vient de publier. Son premier fan est un frère, on dit un frangin dans le jargon. Frangin? Oui, de la loge Utopie. Ici? De la loge Utopie. Tu es frangin? Pardon? Non. Tu as le tort. Sans oublier la signature accompagnée de trois points, le signe de reconnaissance des francs-maçons.
Les francs-maçons n'ont pas toujours été aussi influents. Au XVIIIe siècle, la monarchie et l'Église les pourchassaient. Le culte du secret était alors une véritable condition de survie. Les francs-maçons ont inspiré la Révolution française en 1789. Ils ont aussi joué un rôle important dans la Révolution américaine. Le premier président américain, George Washington, était un initié, tout comme Franklin Roosevelt ou Harry Truman. Près d'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. En France, la Troisième République a marqué leur apogée. Des hommes politiques illustres comme Jules Ferry, Léon Gambetta, Félix Faure étaient francs-maçons. Tout a changé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, les francs-maçons étaient pourchassés et persécutés comme les juifs. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Cette scène est tirée de Forces occultes, un film de propagande anti-maçonnique diffusé en 1943. Le Parlement ne représente que la corruption ! À l'époque, les francs-maçons sont accusés d'avoir totalement infiltré la Chambre des députés et d'être à l'origine du conflit avec l'Allemagne nazie. Nous sommes ici au dernier étage du Grand Orient où sont stockées toutes les archives de l'obédience. Durant l'occupation, les locaux de la rue Cadet sont réquisitionnés par les services de Vichy. Vichy va installer ici le service des sociétés secrètes. Hein. Vichy avait créé des services pour lutter contre les ennemis de la Révolution nationale, les juifs, les francs-maçons, les communistes, etc. Et donc ici, le service chargé de lutter contre la franc-maçonnerie, c'était le service des sociétés secrètes. Donc ces gens-là vont conserver et étudier les archives du Grand Orient. Et à la libération, bien, en fait, elles vont être restituées au Grand Orient. Les présidents ont toujours pris soin d'entretenir de bonnes relations avec les frères invisibles. Dans ses gouvernements successifs, François Mitterrand comptait un grand nombre de frères comme Charles Hernu, son ancien ministre de la Défense, décédé aujourd'hui. Henri Emmanuelli ou Pierre Jox seraient aussi des francs-maçons affiliés au Grand Orient de France. Jacques Chirac, quant à lui, leur accordait une place privilégiée. Sous sa présidence, un ancien ministre comme Guy Dru ou l'ancien préfet Philippe Massonny, qui n'ont jamais démenti leur appartenance à la franc-maçonnerie. Nicolas Sarkozy a lui aussi toujours entretenu de bonnes relations avec les frères, et ce, dès ses débuts en politique dans les Hauts-de-Seine. À cette époque, Jean-François Probst est le maire de Bois-Colombes. Il se souvient de cette période où Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly, cultivait les ambiguïtés. Nicolas, d'ailleurs, j'étais toujours étonné que lorsque j'étais maire de Bois-Colombes dans les années 80, je recevais des courriers de mon ami maire de Neuilly. Il y avait toujours trois points sur sa signature. Les trois points, en forme de triangle, un signe de reconnaissance entre les frères. S'il semblerait que Nicolas Sarkozy n'ait jamais été initié, une chose est sûre, le président de la République a toujours compté parmi ses amis politiques un certain nombre de frères, comme Xavier Bertrand, l'actuel patron de l'UMP, qui révélait son appartenance au Grand Orient en janvier dernier. Nous sommes au Cercle Républicain, un hôtel particulier parisien. Ce soir-là, un dîner-débat est organisé par l'association Dialogue et Démocratie Française. Cette association a une particularité, elle ne compte que des francs-maçons parmi ses adhérents. Voici Yvette Nicolas, grande maîtresse de la Grande Loge Féminine, l'une des rares obédiences exclusivement composées de femmes. À ses côtés, Michel Payen, président du droit humain, une obédience mixte, et Alain Grézel, grand maître de la Grande Loge de France. Pierre Chastanier, de la Grande Loge nationale française, préside l'association. En avril 2007, Dialogue et Démocratie a reçu les principaux candidats à l'élection présidentielle. Où nous recevons des personnalités politiques, de droite et de gauche. Par exemple, l'année dernière, puisqu'il y avait les élections municipales de Paris, eh bien dans le club de Paris, où vous êtes ce soir, eh bien nous avons reçu les trois candidats, c'est-à-dire Françoise Panafieux, Bertrand Delanoë, Marielle de Sernès. Donc nous sommes ouverts à donner une tribune à chacun. Ce soir-là, le conférencier s'appelle Dominique Payet. Même s'il n'est pas connu du grand public, Dominique Payet est un homme qui compte dans l'actuelle majorité. Notre invité d'honneur de ce soir, Dominique Payet, conseiller du président de la République,
et porte-parole de l'UMP que nous accueillons. Thème de la conférence du jour, l'Élysée face à la crise. Devant l'Assemblée, l'orateur va durant 45 minutes faire l'apologie du président de la République. J'ai pu apprécier, à l'occasion de cette crise, les qualités d'homme de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy comprend d'abord, décide ensuite. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui ne laisse jamais indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, avec le président de la République, c'est la volonté forte qui prédomine. L'influence maçonnique est encore importante en politique actuellement. L'influence maçonnique est encore importante, c'est une évidence. Regardez par exemple le nombre de députés et de sénateurs qui sont francs-maçons. Il y en a aussi au gouvernement, il y en a dans les grandes entreprises, il y en a dans les syndicats. Un grand nombre de francs-maçons occupent des postes importants dans notre société et sont à ce titre des acteurs incontournables. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander si vous êtes franc-maçon ? C'est indiscret. Les négociations de coulisses peuvent-elles fausser le jeu démocratique ? Les francs-maçons ont-ils le pouvoir de faire ou de défaire une élection ? Septembre 2008 au Sénat, deux hommes s'affrontent pour la présidence. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre UMP, et Gérard Larcher, ancien ministre du Travail, UMP lui aussi, inconnu du grand public. Jean-Pierre Raffarin par favori. Une semaine avant le scrutin, le journal L'Express titre « Sénat, les frères mènent-ils le bal ?» Le journal laisse entendre que les francs-maçons du groupe UMP pourraient voter Larcher et faire perdre Jean-Pierre Raffarin. Gérard Larcher n'est pas franc-maçon, mais il a la réputation d'être proche des frères. Alors, ces soupçons sont-ils fondés ? Une chose est certaine, les francs-maçons ont toujours été nombreux au Sénat. Sur 343 sénateurs, 80 environ sont francs-maçons, soit un quart de l'hémicycle. 24 septembre, les sénateurs UMP désignent leur candidat. Contre toute attente, Gérard Larcher bat Jean-Pierre Raffarin. Ancien secrétaire général au Sénat, Jean-François Probst connaît bien le dessous des cartes. Pour lui, il est clair que les amitiés maçonniques ont joué dans le choix de Gérard Larcher. De façon évidente, les frangins de toute obédience ont sûrement beaucoup plus voté Gérard Larcher que Jean-Pierre Raffarin. Peut-être aussi que Raffarin n'avait pas su faire avec eux dans le passé. Vous savez, il faut prendre les gens au téléphone. Il faut leur parler, il faut les recevoir, il faut les écouter, il faut les fréquenter, il faut boire la buvette avec eux, il faut aller dans leur département, il faut... Raffarin, c'est pas faire ça. Il l'a peut-être fait les deux derniers mois, il a fait campagne, mais Larcher, il fait ça depuis... Moi, je l'ai reçu au Sénat en 86. Ça fait 22 ans. Depuis 22 ans, il fait ça. Au Sénat, François Thual est chargé des affaires stratégiques auprès du cabinet de Gérard Larcher. Franc-maçon de longue date, il nous montre son écharpe de 33e degré, le plus haut grade maçonnique. Pour lui, dans cette primaire à droite entre Raffarin et Larcher, les voix des francs-maçons se sont réparties équitablement entre les deux candidats. À ma connaissance, c'était moitié-moitié. Donc, ce qui me permet de dire... C'était moitié-moitié, c'est-à-dire ? Entre moitié pour M. Raffarin, moitié pour M. Larcher. Mais moitié quoi ? Les frères ou moitié... Moitié des frères, des maçons qui ont participé à l'élection de la primaire pour désigner le candidat du groupe UMP à la présidence du Sénat. À ma connaissance, c'était moitié-moitié. Donc, ce qui veut bien, j'insiste sur ce fait pour dire que c'est pas la maçonnerie qui fait la pluie et le beau temps au Sénat, ni dans le groupe UMP. Mais Jean-Pierre Raffarin reste persuadé qu'il a été battu par Gérard Larcher à cause des francs-maçons. Il s'en est confié à François Thual. C'est pas ce que semblait dire Jean-Pierre Raffarin à l'époque, parce qu'il avait tendance à penser que les francs-maçons avaient plutôt voté pour Gérard Larcher. Je m'en suis entretenu avec lui, je pense qu'il se trompait. Nous avons contacté Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher, mais ni l'un ni l'autre n'a souhaité s'exprimer sur cette élection. Monsieur Larcher, 173.
Une semaine après la primaire à droite, l'élection à la tête du Sénat a lieu. Gérard Larcher est largement élu face au candidat socialiste. Une autre élection a montré l'influence des francs-maçons en coulisses. Lyon, 1 700 000 habitants. Pour des raisons historiques, cette ville a toujours connu l'influence des francs-maçons. Au siècle des Lumières, des grands aventuriers comme Casanova sont passés ici et ont été initiés. Aujourd'hui, près de 3 000 Lyonnais font partie de la franc-maçonnerie. Hommes politiques, chefs d'entreprise, fonctionnaires, cadres. Mais c'est surtout à la mairie et dans les grandes institutions de l'agglomération que les Frères Invisibles se sont imposés. Nous sommes à une séance du conseil municipal. Gérard Collomb, le maire PS de la ville, n'a jamais caché son appartenance à la franc-maçonnerie. Il a été initié il y a quelques années dans une loge du Grand Orient. Je pense qu'il est mieux que l'on sache publiquement que vous êtes franc-maçon plutôt que d'avoir des vagues rumeurs. Moi, je suis pour la transparence de la vie personnelle par rapport à la vie politique. À la mairie de Lyon, les frères sont nombreux. Actuellement, sur 21 adjoints au maire, 8 sont francs-maçons, soit plus du tiers. Gérard Collomb admet cette réalité tout en la minimisant. Oui, il y en a beaucoup, mais il n'y a jamais eu une réunion d'adjoints qui ne regroupe que des francs-maçons. Moi, c'est quelque chose auquel je me refuserais. Avril 2001, le maire de Lyon, Gérard Collomb, est le candidat socialiste à la présidence de la communauté urbaine, ce que l'on appelle ici le Grand Lyon. Son adversaire de droite se nomme François-Noël Buffet. Il est le maire d'Oullins, une commune limitrophe de Lyon. François-Noël Buffet doit mathématiquement l'emporter, car la communauté urbaine a toujours été dirigée avec une majorité de droite. Et pourtant... La droite est majoritaire de 6 voix. Et je suis opposé, pour le moment du vote, à Gérard Collomb, et j'ai 6 voix d'avance. Tout le monde pense, en tous les cas, la pensée collective normale estime que la droite peut remporter la communauté urbaine et que les choses vont être intéressantes à regarder entre un maire d'une ville centrale de gauche et un président de communauté urbaine qui peut être de droite. Mais tout ça, finalement, c'est méconnaître beaucoup de choses dans la lyonnaiserie et les réseaux vont jouer à plein. Tous les réseaux, les amitiés personnelles, les inimitiés personnelles qui ont pu se créer ou qui ont pu être se ressurgir, et puis effectivement le réseau des fraternels et le réseau des francs-maçons. Premier adjoint au maire de Lyon, Jean-Louis Touraine est franc-maçon. Il appartient à une loge du Grand Orient de France. Dans la course à la présidence du Grand Lyon, il va jouer un rôle clé dans la stratégie de Gérard Collomb. Lorsque Gérard Collomb, tout nouvellement élu maire de Lyon, se propose d'être candidat à la communauté urbaine de Lyon, il sait que le rapport des forces n'est pas favorable à la gauche. Il y avait plus d'élus au total du Grand Lyon appartenant soit à la droite, soit à un centre droit. Ces élus de droite sont pour certains des francs-maçons. Pour gagner la communauté urbaine, les socialistes doivent négocier avec eux. Dans le camp de Gérard Collomb, celui qui va se charger des bons offices, c'est Yvon Deschamps, lui aussi est membre du Grand Orient de France. Il est certain qu'avec un certain nombre d'amis francs-maçons, c'est pas honteux de le dire, on a discuté avec d'autres élus, y compris des élus francs-maçons de droite. C'est peut-être là que la démarche maçonnique a été importante, si je suis clair. Petit à petit, des contacts se nouent dans la discrétion. On a envoyé des missis dominici aussi. Tel ami, tu connais bien un machin, est-ce que tu peux me proposer un rendez-vous? Il y avait des approches, comme l'on dit, qui se terminaient souvent par le fait que Gérard Collomb, à la mairie de Lyon, recevait ces gens après pour discuter avec eux. Cher ami, merci d'accepter de discuter avec moi, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Tout ceci se termine ensuite par le fait qu'ils acceptaient de voir Collomb dans des conditions de discrétion, bien évidemment.
pour échanger avec lui et savoir autour de quelles valeurs on pouvait inscrire un accord politique ensuite. À droite, dans le camp de François-Noël Buffet, Charles Millon, l'ancien ministre de la Défense, a deviné ce qui se trame. Je me souviens que Charles Millon m'avait dit est-ce que c'était la veille du scrutin ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec les réseaux francs-maçons ? Et je lui avais répondu non. Il m'avait dit ah. Mais je n'en avais pas tiré d'interprétation particulière, si ce n'est que le lendemain, voilà. Le lendemain, le vote est sans appel. Gérard Collomb emporte la communauté urbaine avec 12 voix d'avance. Aujourd'hui, le maire relativise l'importance du vote franc-maçon dans son élection. Il est clair qu'un certain nombre de francs-maçons ont voté pour moi, mais je crois que aussi beaucoup de catholiques ont voté pour moi. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout une, je dirais, connivence quelconque, une conséquence de mon appartenance à la franc-maçonnerie dans mon élection à la présidence de la communauté urbaine. Mais au petit jeu des négociations discrètes, il convient de prendre garde au dérapage. Car parfois, les initiatives parallèles peuvent avoir des conséquences désastreuses. Janvier 2000, un scandale aux odeurs de poudre ébranle les frères de la rue Cadet. Les francs-maçons du Grand Orient prêtent-ils leur réseau pour tenter de désamorcer le dossier corse? Un responsable socialiste, membre du Grand Orient, a rencontré récemment des autonomistes clandestins. À l'époque, le grand maître du Grand Orient s'appelle Simon Giovannaï. C'est lui qui a reçu les nationalistes corses dans son bureau. Ils avaient un message fort à faire passer à Lionel Jospin, de façon informelle, et on a mis en présence, très simplement, ces autonomistes, avec un certain nombre de membres du Parti Socialiste, pour qu'un échange se crée. Seulement voilà, parmi les nationalistes présents, se trouvent des autonomistes corses impliqués dans des affaires terroristes. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre en personne tente de sortir son gouvernement de ce mauvais pas. Ni hier, pour ce qui concerne ce gouvernement, ni aujourd'hui, pour ce qui me concerne mes collaborateurs ou les membres du gouvernement, ni demain, il n'y aura de conciliabule secret. Ce temps est passé et il ne reviendra pas. Nous étions là, quand même. Aujourd'hui, le Grand Orient de France désavoue la politique menée à l'époque et assure que ce genre d'initiative n'a plus cours dans la maison. Moi, je pense que toute action du grand maître doit être une action qui se cadre dans la loi de la République et dans la clarté. Qu'on écoute un certain nombre de membres de la politique qui sont dans le cadre républicain ne me gêne pas. Qu'on essaye, pour des objectifs qui n'étaient pas des objectifs maçonniques, de se servir de l'obéissance me gêne plus. Vous pouvez développer un peu plus ? Non. Mais il n'y a pas qu'au Grand Orient que des frères ont utilisé la franc-maçonnerie pour des objectifs plutôt troubles. Au début des années 2000, une série de scandales éclate dans le sud de la France. À Nice, opération nettoyage à la Grande Loge Nationale Française. Depuis un an, différentes affaires ont fait surface, jetant le discrédit sur certains membres de cette loge maçonnique. À l'époque, deux magistrats sont chargés de traiter ces différents dossiers de corruption. Le procureur Éric de Montgolfier à Nice et le juge Jean-Pierre Murciano au tribunal de Grasse. L'affaire qui, à l'époque, fait le plus de bruit concerne Marcel Giordanengo, un membre de la Grande Loge Nationale Française. Plus connu sous le surnom de Marcel Lassalade, cet homme d'affaires est mis en examen pour escroquerie. Il a tissé un incroyable réseau d'amitié. Il était capable de réunir chez lui le préfet, un général de gendarmerie et le parrain de la mafia. Et les faire manger un bout de saucisson ensemble et discuter. Et moi, il y a un flic qui est arrivé ici pour diriger l'APJ à l'époque. Il m'avait raconté, il était venu en milieu d'année scolaire, comme souvent les mutations. Donc il vient sans la femme et les gosses, il se retrouve tout seul. Et les copains disent, tiens, bah, tu fais rien ce soir, je t'emmène chez Marcel, tu verras, on mange du jambon, on boit un coup, on discute. Bon. Donc il est arrivé, il y avait des tas de gens qu'il ne connaissait pas. Il me dit, ah, vous êtes le nouveau commissaire, alors vous avez trouvé un logement. Il dit, bah, là je cherche. Bah, viens voir, ça c'est un copain qui a une agence immobilière. Il nous faut un logement là pour notre ami. Oh, bien. Le lendemain, il avait l'appartement.
Et votre déménagement ? Ah ben dis, je vais voir. Enfin, ah ben attends, on a un copain transporteur, viens voir. Et puis tout d'un coup, lors d'un casse-croûte, tiens, c'est vous qui avez l'affaire là, du règlement de compte, mais vous savez, j'ai vu dans la presse que vous cherchez vers tel pis, c'est pas ça, hein, croyez-moi, moi je le connais très bien ce monsieur, il n'a rien à voir dans tout ça, etc. Donc il s'est vite sauvé en courant, mais la plupart restent. Au fil de leurs enquêtes, les magistrats s'aperçoivent qu'ils n'ont pas affaire à des dossiers tout à fait classiques. Je ne comprenais pas un certain nombre de mécanismes, de ce qui paraissait être des erreurs, parfois au-delà. Puis progressivement, on a commencé à me dire, mais vous ne comprendrez rien ici si vous ne songez pas à la maçonnerie. Les deux magistrats sont approchés. On propose purement et simplement à Jean-Pierre Murciano d'être initié. Lorsque la loge avait perdu, si je puis dire, un frère juge d'instruction au tribunal de Grasse, il y a quelques années, eh bien, encore une fois, poste pour poste, comme dans le sport, j'ai été moi-même approché, non pas pour mes qualités personnelles ou ma réflexion philosophique, mais parce que il manquait un juge d'instruction Grasse dans l'organisation. À l'époque, les scandales du sud de la France éclaboussent de plus en plus l'obédience. Alors des frères décident d'intervenir auprès des magistrats, mais en utilisant des méthodes typiquement franc-maçonnes. Nombre de maçons étaient venus me voir. Pas très ouvertement. Certains étaient venus sous couleur de leur robe d'avocat, par exemple. Et à les entendre, je comprenais bien qu'ils avaient du sujet une connaissance interne. Et puis d'autres m'ont invité à déjeuner, par exemple, mais assez loin du centre-ville, pour me dire, bah, voilà, nous sommes à la GNF et on apprécie ce que vous faites, aidez-nous. Comment ça ? C'est à vous de vous aider tout seul. Pourquoi voulez-vous que je vous aide ? À quoi faire ? Aidez-nous à nous débarrasser des corrompus. Nous nous rendons rue Christine de Pizan à Paris. Nous avons rendez-vous avec le grand maître de la GLNF, François Stiffani. Il nous assure que depuis ces affaires, le ménage a été fait au sein de son obédience. Les affaires, ça a été pour nous, c'était pour moi d'ailleurs particulièrement une grande interrogation, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui je vous réponds. Je crois qu'en 2000, on avait éradiqué 280 personnes. On a mis sous tutelle une province, qui est un acte extrêmement important, et de cette tutelle, il est résulté l'éradication de 280 frères. Ces fameuses affaires, dont 4 d'ailleurs terminaient au prétoire. Hein. Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement. Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation. Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon. Quelque part dans Paris, un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un franc-maçon, le passage sous le bandeau. Ce soir-là, une petite obédience maçonnique, la grande loge traditionnelle et moderne, accepte de nous laisser filmer. Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge. C'est le vénérable qui accueille le candidat. Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux n'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure, mais pour vous aider dans votre concentration. Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs. Le personnage au bandeau est placé devant 3 bougies posées sur des colonnes qui sont censées représenter les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, la force, la sagesse, la beauté. Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Au décès de mon père. Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant ? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition ? À quoi occupez-vous vos loisirs ? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible. Les frères de la Grande Loge traditionnelle et moderne ont accepté que nous assistions à cette épreuve tenue secrète
pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Je pense qu'elle devient quand même transparente, tout au moins dans ses intentions, dans ses travaux, ce qu'elle fait, pourquoi. Il n'y a plus le mystère et le souffle du diable qui est là, qui traîne, comme on pouvait l'imaginer à certaines époques. Plus de mystère. Les obédiences maçonniques ont donc décidé de jouer la carte de la transparence. Nous retournons à la Grande Loge Nationale Française, l'obédience qui actuellement recrute le plus. François Stifani accepte de nous montrer le compte précis des nouveaux adhérents. Aujourd'hui, on peut vous demander combien il y en a déjà ce jour. Henri, est-ce qu'on peut avoir la fiche de... Au jour près, c'est-à-dire au jour près, c'est quoi ? Vous donnez, vous pouvez regarder en direct, il n'y a pas de problème. Je viens d'éditer. Voilà, 39 487 à l'édition de ce jour. Alors, il y a des corrections, il y a probablement 500 dossiers en cours de traitement. 39 587, est-ce que vous avez le moyen de nous montrer, par exemple, combien il y a de personnes qui ont adhéré depuis ces derniers jours On en traite 500 par mois. On en traite 500 par mois environ, 500. Et d'ici, est-ce que vous pouvez... C'est-à-dire, pour bien comprendre, il y a 500 personnes qui frappent à votre porte tous les par mois. Par mois, oui, à peu près. Oui. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et sur les 500 demandes traitées par mois, il y en a grosso modo combien qui aboutissent ? Ah non, celles-là sont votées. Ah, celles-là sont à voter. Ce sont votées. Quand le dossier arrive ici, il est voté. C'est-à-dire que le personnage est a priori accepté par sa province. Le vote est acquis. 500 nouveaux frères chaque mois, un chiffre important. Mais François Stifani se défend de vouloir mener une politique de recrutement. La croissance de la Grande Loge Nationale Française est effectivement une préoccupation, mais pas dans le sens que l'entend de nos frères d'autres obédiences. Je suis amusé parfois de penser qu'on a des préoccupations électoralistes ou de sergents recruteurs. Ça n'existe absolument pas. Pourtant, nous nous sommes procuré un document où la GLNF est prise en flagrant délit d'opération de charme. Régulièrement, l'obédience réalise des mailings pour tenter de séduire de futurs frères. Plusieurs de nos frères nous ont parlé de vous, non seulement de votre probité morale, tant professionnelle que familiale, mais aussi de vos positions humanistes. Ceci montre à l'évidence que vous êtes déjà quelque part en vous-même, franc-maçon. Justement, il y a quand même, vous dites qu'il y a pas de... Nous montrons ce document à François Stifani. Nous avons organisé des conférences-débats. C'est la résonance que vous allez là en Picardie. Ces conférences-débats ont fait intervenir des philosophes, des scientifiques, maçons ou non-maçons, d'ailleurs beaucoup plus de non-maçons. Et j'ai recommandé à mes grands maîtres provinciaux d'expliquer qui on était, d'expliquer dans l'espace social ce qu'est la franc-maçonnerie, ce qu'est la franc-maçonnerie revendiquant d'être encore un ordre initiatique. Mais je note qu'il n'y a pas d'acte de prosélytisme direct. Le véritable enjeu de cette course au recrutement, c'est de devenir la première obédience de France. Pour l'instant, le Grand Orient compte encore 10 000 adhérents de plus que la GLNF. Un frère m'écrivait hier, avec beaucoup d'exagération, qu'on sera 200 000 à l'Orient de 2035. Je n'ai pas cette revendication, mais probablement, rien ne m'empêche de penser qu'effectivement, demain, on sera 100 000. Mais je ne fais pas 100 000 pour faire des soldats, ni pour conquérir le pouvoir. Parce que ça fait des générations. Pas de conquête du pouvoir pour la GLNF, mais démonstration de force tout de même. Le grand maître nous convie à l'Assemblée générale de son obédience, à la Grande Arche de la Défense. C'est la première fois qu'il laisse des caméras filmer une telle cérémonie. L'Assemblée générale de la Grande Loge Nationale Française. Des hauts dignitaires francs-maçons du monde entier se réunissent comme chaque année. Plus de 2000 personnes regroupées pour un déploiement de force hors du commun. Il n'y a que des hommes dans l'Assemblée. La GLNF refuse la mixité. C'est au rythme d'une musique de Vangelis, intitulé à la conquête du paradis, que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le cénacle et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités. Un écran géant a même été prévu pour la circonstance. Éminentissime et suprême grand prieur du grand prieuré des ordres unis maçonniques, religieux et militaires du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, Palestine, Rhodes et Malte pour la France.
Les principaux dignitaires sont tous installés. C'est maintenant au tour du grand maître de l'ordre de faire son entrée sous les honneurs des frères. Debout, mes frères, pour recevoir le très respectable frère François Stéphany, grand maître de la Grande Loge Nationale Française, précédé de ses surveillants. Sous des applaudissements étouffés par les gants, le grand maître entre dans le cénacle dans une ambiance digne des cérémonies les plus sacrées. Une fois installé, le grand maître a droit aux honneurs des frères de l'obédience. Mes frères, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge Nationale Française, le très respectable frère François Stéphany. Nous allons donc lui rendre les honneurs dus à son rang en le saluant par le signe d'apprenti et par 11 en vous réglant sur moi. Debout mes frères, à l'ordre. Face au grand maître, les 2000 frères simulent avec le tranchant de la main le signe de pénalité qui signifie que chaque franc-maçon s'engage à avoir la gorge tranchée s'il manque à son serment de discrétion. Puis le grand maître procède à l'ouverture de la cérémonie dans le jargon propre aux francs-maçons. Respectable frère, premier grand surveillant, qui représentez-vous ? Jacquin, le grand prêtre assistant sur le mont Sinaï. Où est placé le député grand maître ? À la droite du très respectable grand maître. Où se place le très respectable grand maître ? À l'Orient. Qui représente-t-il ? Le roi Salomon. Signe de foi, mes frères. La main droite placée sur le cœur, les francs-maçons de la GLNF témoignent de leur croyance en Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du roi Salomon, je déclare cette grande loge solennellement ouverte. La Grande Loge Nationale Française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qui est fait en Afrique. Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la GLNF. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique ? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie ? François Stéphany nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphany des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. C'est mes assistants, mon député. François Stéphany nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphany est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive donc, que m'envoie le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc, président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est mon modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons et... pour marquer notre c'est passage. Très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge Nationale Française a carrément loué le palais des festivals à Cannes
pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la grande loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi ? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'Élysée, j'ai dit ça. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République, du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Et quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer ? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez, à qui vous parlez. Aujourd'hui, certains francs-maçons eux-mêmes réclament plus de transparence. Car le secret favorise les dérives et il alimente tous les fantasmes négatifs. L'influence occulte dans les cercles de pouvoir existe, c'est vrai, mais pour l'immense majorité des francs-maçons, l'engagement est sincère et représente avant tout une initiation spirituelle. Continuer avec ce grand thème de Branham, la semence du serpent et la franc-maçonnerie dans le ministère de Branham, la théorie abominable de la semence du serpent, le racisme dans le ministère de Branham, le Ku Klux Klan, l'occultisme, le culte des anges, toutes les abominations qui se sont cachées derrière le ministère de Branham. Et mes amis branhamistes, vous qui êtes connectés, c'est avec amour que nous l'avons fait. Jésus-Christ a été mobilisé en moi. Tout simplement pour essayer de vous ouvrir les yeux, de vous montrer la perversité, l'abomination qui se cache derrière cet homme que vous prenez pour Jésus-Christ ou pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup de partis religieux dans le sein du branhamisme, ceux qui prennent Jésus, qui prennent Branham comme Jésus-Christ lui-même, qui prennent Branham comme Dieu, d'autres qui, bon, ne le prennent pas comme Jésus, mais pensent qu'il était un prophète envoyé de Dieu, d'autres même qui sont sortis de Branham, mais continuent à garder des aigles sur leur blog et leur Facebook, ou continuent à véhiculer les enseignements diaboliques de Branham, tels que Jésus-Christ est Dieu le Père, et, ou alors que Jésus-Christ était l'ange Michaël, ou alors que Adam Ève, sa femme, ont assisté à une orgie sexuelle orchestrée par le serpent, de laquelle orgie abominablement sexuelle sont issus des jumeaux Caïn et Abel. Quelle abomination, mes frères. Donc, c'est aujourd'hui vraiment qu'on va déballer toutes ces choses. Nous allons commencer avec le volet de la franc-maçonnerie. Et pour ceux qui ne savent pas, la franc-maçonnerie, c'est une abominable secte luciférienne où il y a des choses abominables qui s'y passent, tels que les sacrifices humains, des orgies, des choses pernicieuses. Et pour ceux qui ne savent pas, nous allons vous montrer en effet que la franc-maçonnerie est tellement diabolique et on va vous montrer l'association de Branham, de son ministère, à la franc-maçonnerie. C'est là, par là où nous allons commencer. Et je suis presque sûr que
La plupart de ceux qui suivent Jésus-Christ actuellement ont une petite idée sur l'abomination que peut représenter la franc-maçonnerie. Mais nous allons tout simplement commencer par un documentaire. Mes frères, je vais vous montrer un documentaire qui va introduire cette émission. Un documentaire qui va nous montrer tour à tour l'initiation de quelqu'un dans la franc-maçonnerie. Et ce sera poursuivi par une séquence qu'on a montrée la dernière fois du président congolais Denis Sassou Nguesso qui est intronisé dans une loge maçonnique comme grand maître de la loge nationale congolaise. Et on va terminer par un témoignage des atrocités de la franc-maçonnerie qui sont perpétrées, des barbaries, des sacrifices humains. Et c'est par là qu'on va commencer et on va vous montrer dans l'association que William Branham, Marion Branham avait avec la franc-maçonnerie. Donc c'est par là qu'on va commencer, mes frères et sœurs. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Je puis vous assurer que cet engagement n'a rien d'incompatible avec les autres devoirs d'un homme et d'un bon citoyen. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés? Et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre. Et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les trois grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre qui se trouvent sur l'autel des serments. Frère expert, mettez également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre, mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunie. Régulièrement réunie. Et dûment consacrée. Et dûment consacrée. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférerais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, frère maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Récipiendaire.
Très respectable député Gomez, la grande de monsieur Pierre-Michel, en grâce et qualité. J'ai l'honneur de vous donner lecture du procès verbal du souverain grand comité. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la Banque du Congo, le souverain grand comité, en sa session ordinaire du 18 octobre 2007, a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la grande ose du Congo pour les 7 années à venir, 2007-2014. En foi de quoi, le présent conseil verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que le droit. Fait à Brazzaville, le 18 octobre à 14h25, en signé le très respectable frère Jean-Louis Koutal, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Gomez, grand signe de quoi, mes frères?
prêtre de la terre en hospitalier de la prière. Dans le monde de l'Éternel, les travaux ouverts invoquent la protection du grand marché de l'Éternel dans toutes nos entreprises. Puisque nos travaux ainsi ouverts dans l'homme se continuent dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Dieu tout-puissant, Maître du même de l'univers, qui a libre fait considérer notre ordre dans le passé et qui a inspiré le dénouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos décisions, étend sur nous la protection et accorde à ces lignes et très respectables frères et sur le point de s'installer la qualité de grand-mère de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs que nous avons de charge. Répands sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, qui n'en soit pas si mes frères. Je prends avec les cérémonies installateurs, on était rappelé, effectivement maître, devant l'hôtel, il passera ses deux mains tentées sur le volume de la loi sacrée. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes. Jusqu'à ce qu'un frère ait été vivant, élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers, m'aide et marque de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo.
dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews donc, qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret, de gens de pouvoir, de tout type de milieux, la politique, la finance, nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlure de cigarette, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbiche. Ces vidéos sont une bonne introduction à cette section sur l'implication de Branham dans la franc-maçonnerie. Ça nous laisse en voix. Ça se passe de tout commentaire. Et il y a quelque chose qui m'a scandalisé la première fois que j'ai vu cette vidéo sur l'intronisation de Sassou Nguesso. C'est que la musique qui joue, qu'on fait jouer lors de son entrée, c'est exactement la musique qui se joue lors des remises de diplômes dans les universités américaines. Et quand j'ai écouté cette musique, j'ai regretté la cérémonie de remise de diplôme à laquelle moi-même j'ai participé ici à Houston. Nous sommes dans un monde qui est sous la domination de Satan. Toutes ces institutions gouvernementales, académiques, etc., financières, bref. Et il y a un autre détail, vous avez vu, l'écuménisme interreligieux, l'imam qui lève une prière, disons une prière faite par un musulman plutôt, une prière faite par d'autres confessions, et les gens disent Amen. Et je vous suggère d'aller réécouter, quand la vidéo plaise à Dieu sera postée, l'incantation, l'invocation que quelqu'un faisait en fond sonore quand l'invocation de la chanson en arabe, j'imagine, passait, dans la section où il y avait des invocations, où visiblement c'était les musulmans qui élevaient la voix. Il y avait quelqu'un qui faisait une invocation macabre, lui supérieur en background. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, allons voir comment Branham a été impliqué dans cette abomination. Et vous allez voir comment lui-même cautionne la franc-maçonnerie. Ayant suivi ces choses, mes frères et sœurs, vous avez suivi le témoignage de la fin, comment quelqu'un parle des sacrifices humains, des rituels, des orgies, des choses abominables, des personnes qui disparaissent, qu'on utilise comme de la chair à sacrifice. Et voilà des choses. Et voilà l'organisation occulte pour laquelle Branham avait de la sympathie. Branham avait de la sympathie. On va voir un détail tellement important. Allons voir, mes frères et sœurs, sur cette séquence que je... voilà, qui est sur votre écran.
cette section dans la franc-maçonnerie dans le ministère de Branham. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.